Bien chérie, cette soirée caritative, elle a été plutôt pas mal. Je confirme. Eh bien... Oh, je suis fatiguée, hein, vivement qu'on rentre à la maison, c'est vraiment... cette journée a été longue quand même. Hein. Il y avait beaucoup de choses... Franchement, c'est une bonne journée. Chérie, je crois que nous venons de perdre un pneu. Oula, garde-toi sur le parking à côté. La voiture a du mal à avancer. Incroyable, ça. Comment ça se fait Hop. On va prendre un hôtel. Regarde-moi ça, chérie. Je m'appelle Albert de la Merguez, mais je ne suis pas une merguez. Qu'on ne me vende pas des voitures Playmobil. C'est quoi cette Ferrari en kit, là? C'est n'importe quoi. Je suis extrêmement déçue par cette qualité de voiture. Je suis totalement d'accord, c'est scandaleux. Mais que va-t-on faire, chérie? Faut qu'on rentre à la maison, quand même. On appellera quelqu'un demain matin, parce que vu l'heure, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui prend des panneaux. Mais on peut pas, genre, arrêter un gueux en chemin et lui demander de nous changer le pneu. On lui donnera 5$. Vaut mieux, vu cette nuit, vaut mieux qu'on attende demain matin. Oui, tu as raison. Comme d'habitude, tu as toujours raison, chérie. On va... Ça tombe bien, c'est un motel. Oui. J'espère qu'il y a des belles chambres. J'espère bien. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Il nous faudrait une chambre 5 étoiles, s'il vous plaît. Voilà, il y a une chambre 5 étoiles. La chambre 3. Ça vous fait 15 euros. Tenez. Ça vous fait 15 euros. Bah, si bien. Bon séjour. Merci. Vous aussi. Alors, retournons à notre chambre. Mais ne nous aurait-elle pas arnaqué? C'est un motel 1 étoile. C'est vraiment une chambre 5 étoiles. C'est marqué là-bas. 1 étoile. Oui, une étoile, il n'y en a pas 5. Oh, c'est commercial. Vraiment. Alors, c'est pas ici. Ce n'est pas ici. Elle dit la chambre 3, chérie. C'est ici. Oh, quel... Oui, bon, je m'attendais à pire, mais je trouve que ça va plutôt bien, Chloé. Tu vois, c'est... Ça aurait pu être pire. Je ferme la porte à clé au cas où. Très bien. Je ferme les volets ou pas? Oui, ferme les rideaux, ce sera... Voilà, un petit peu d'intimité. Bon, du coup, est-ce que tu as remarqué que Ginette, après que l'on ait en chérie 4 999 999 $ pour cette association, eh bien Ginette, elle a en chérie 5 millions de $. 5 millions de dollars? Elle sera plus riche que nous ou quoi? Mais c'est ça, tu vois, chérie, les gens, ils essayent de prouver qu'ils ont plus d'argent que nous, alors que non, nous sommes les plus riches, nous sommes la famille de la merguez, la plus riche de Brookhaven. Nous sommes les seuls et l'unique riche de cette ville. Pour qui se prend-elle? En plus, je suis sûre qu'elle a dû prendre un crédit pour payer autant à cette association. Hein. Demain, on va retrouver ses chaussures, le boutin sur le bon coin pour payer ses frais de notaire, hein. C'est incroyable. En tout cas, j'espère que nous avons fait bonne figure à cette soirée associative et que, encore une fois, la famille de la merguez sera bien citée dans les journaux de Brookhaven. Comme d'habitude, on aide toutes ces personnes, tous ces gueux. On est vraiment des personnes très sympathiques, je trouve, Chloé, n'est-ce pas? Oui, nous sommes très sympathiques. Et les gens abusent. Bah exactement, ils abusent de notre sympathie quand même. Hein. Mais bon, nous serons comme d'habitude. Les... Chérie, tu entends? Pardon? Tu entends l'eau qui coule? Ah bon, tu entends de l'eau qui coule? Je crois que c'est dehors, il doit pleuvoir. Oh oui, certainement, il doit pleuvoir. Ça doit être les gouttières pourries totalement... De ce vieux motel miteux, hein. Les gouttières doivent déborder, ça doit couler de partout, mais bon. Oh. Mais...
La lumière vacille ou c'est moi qui fais une crise d'épilepsie, je ne comprends pas. On a bien vu la même chose. Je vais éteindre la lumière, je pense que c'est mieux. Ouais, je pense que c'est l'ampoule qui doit être en très mauvais état, elle doit prendre l'humidité, doit y avoir de l'eau qui rentre partout. Mais bon, soi-disant passant, ce n'est pas grave. Ah, mais attendez, attends chérie, tu n'as pas... Tu n'as, tu, on est d'accord que tu as éteint la lumière. Mais oui. Tu es sûr que tu as bien, bien appuyé sur l'interrupteur? Bah oui, j'ai bien éteint. Oh. Attends, est-ce que... T'as allumé la télé? Non, ce n'est pas toi, je croyais que c'était toi, chérie. C'est lui qui l'a... Elle s'est allumée, elle s'est éteinte. Attends, je pense que... Tu entends le grincement également? Ah, c'est toi qui as éteint la télé? Non, je l'ai pas éteint, je l'ai... Oh mon dieu, mais que se passe-t-il? Oui, un panda qui chevauche un jouet de parc, je ne comprends pas, c'est... Et... Mais c'est l'eau, elle coule. Oui, l'eau, elle coule, toujours, effectivement. On est bien d'accord que tu as bien fermé la porte. Quelqu'un est en train de gratter à une porte, mais je ne saurais dire d'où ça provient. Est-ce que ça provient du plafond, de la porte d'entrée? Mais j'ai l'impression que ça vient plutôt du fond de la pièce. Ah, tu as une petite soif, chérie, c'est ça? Oui, oui, j'ai soif. Je vais regarder sous le lit s'il y a quelqu'un. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fait de l'asthme. C'est sûrement les chambres à côté. Ça doit être une fenêtre ouverte, je pense, qui fait que ça fait du bruit comme ça, sinon je ne vois pas trop. Attends, je vais vérifier sous le lit, est-ce qu'il y a quelque chose? Bah écoute, je ne vois rien sous le lit. Sûrement les voisins à côté, non? Peut-être quelqu'un qui fait de l'asthme et qui respire mal, qui ronfle. Ou peut-être que les voisins sont en train de faire une petite partouze. Oui. Peut-être. Ils sont en train de gratter contre le mur, je ne sais pas trop. Oh, la télé s'est rallumée. Il y a vraiment un souci, vraiment très... Réfléchissons. La télé, la lumière, les bruits... On se croirait dans un film. Il y a une voiture qui... Tu entends une voiture klaxonner, pourtant je ne vois pas de conducteur. C'est la voiture. Est-ce que tu étais en train de te faire couler un bain là ou une douche, chérie? Non. Pourquoi ça sonne? Oula. C'est vraiment très bizarre. Parce que j'ai l'impression d'entendre de l'eau couler dans notre salle de bain. Ça a l'air de provenir de là-haut. Comme si quelqu'un prenait une douche, mais je ne sais pas. Oula, oula. Vaut mieux peut-être vérifier la salle de bain. Hein. Ah. Je pense que ça peut être une bonne idée de vérifier. Quelqu'un est en train... Oh mon dieu. Quelle est cette chose? C'est quoi? Oh. Lion. Il y a une personne qui prend une douche. Mais vous voulez donc passer la dame de l'accueil? Elle est où? Elle a disparu. Je crois... Vaut mieux repartir. Oh. Dépêche. Oh, mais c'est la On dame de l'accueil. Mais quel est-il arrivé à son visage? Oh mon dieu. Oh, putain. Vite, cours. Cours. Il faut qu'on se barre d'ici. Vite. Oh mon dieu. Viens par là, chérie. Vite, fuyons. Ah. Oh mon dieu. Oh. Ouf. Oh. En plus, il va faire jour, c'est parfait. Chérie, comment... chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es un peu pâle, je trouve, chérie. T'approches pas trop. T'es vraiment... T'as vraiment mauvaise mine, je trouve. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Aïe.